still sense it. Oui, Stiti. A amené aujourd'hui à venir donc à la chapelle de Fougeray. La fête des confitures. La fête des confitures. Oui. C'est Marie-Françoise. Marie-Françoise. Ah voilà. Il en a parlé. Et l'environnement à la chapelle des Fougeray, qu'est-ce que vous en pensez du jardin marocain? Très bien. Très bien. Bonne organisation. Hein, oui, oui. Ça se prête bien à, la, bien. À se promener au travers des champs. Oui, oui. Oui. Bien organisé. C'est parfait. Hein. Bonjour monsieur, vous, votre spécialité, c'est le sureau. Le sureau, arbre naturel, sauvage, qui pousse partout dans le Grand Ouest, que les gens connaissent peu. Si vous faites un petit zoom derrière, on a la fleur et le fruit. Les deux s'utilisent en transformation, pour des sirops, pour des gelées, des confitures, des produits dérivés tels que les confits, le nom d'ailleurs des choses. Le sureau, on fait également des pâtisseries, des confiseries en fin de saison avec guimauve, pâte de fruits, chocolat, toute une gamme de gelées nature ou épicées. On fait les sirops bien sûr, avec la fleur et le fruit. Très prochainement on sort des bières, des sureaux, brassés à la fleur, brassés au fruit. Le sureau c'est un parfum, c'est un arôme, c'est un colorant, c'est un parfait produit de nature qui est à consommer cuit, surtout pas cru, parce que c'est peu dérangeant pour les scènes aussi. Bonjour Alain Guillaume, vous faites partie de la section modélisme et puis alors si vous voulez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne quoi, et le but de votre activité. Bah, le but de l'activité c'est de faire naviguer des bateaux comme vous voyez sur l'eau là. Mais au préalable il faut les construire. Alors on se réunit à la maison des associations le mercredi soir de 17h à 19h et le samedi matin de 9h30 à midi. Et en général on navigue une fois par mois. Théoriquement le premier samedi du mois, mais en fonction des conditions météo, ça peut changer. Bonjour mesdames, c'est ici que l'on échange des confitures? Comment ça vient? Vous donc, posez, nous, maison. Prêtes, hein maison. Chacun fait sa confiture. Par exemple, on va prendre un exemple, il y a une personne qui va faire de la fraise, elle va nous amener de la fraise. Elle peut prendre, ici il y a plein de pommes, des pots de rhubarbe, de pommes, des confitures très différentes. Par exemple, là on a du melon vanille. Voilà. Alors il y a des petites saveurs particulières, des petits mélanges, et puis ça fait un peu exotique. C'est sympa, ça change un peu de la confiture de fraise traditionnelle. Voilà. Je vous rappelle aussi que vous pouvez, pour prendre les pots de confiture, pour transporter vos pots de confiture, prendre des cartons au stand de CVS. Bernadette Guilouette, vous allez nous préparer une confiture de mangue. Tout à fait. Donc, j'ai proposé à l'accordée d'animer un atelier d'écriture. Il va avoir lieu tout à l'heure à 16h. Et donc l'idée, c'est de faire venir les gens qui sont sur le site à la maison des associations, découvrir les expositions de peinture et mon exposition de poèmes, confiture de mots, confiture d'émotions. Les personnes sont amenées à mettre sur des petits papiers couleur un mot, une émotion, un mot d'humeur, d'humour, une phrase, un texte plus long qui parle de leur ressenti par rapport à la confiture et à la nature. Les mots sont déposés dans le pot de confiture de mots. À 16h, nous allons donc déverser le pot de confiture de mots sur la table et les participants vont donc faire une confiture d'émotions avec tous ces mots récoltés. Nous allons travailler ensemble sur des textes, des poèmes, de la prose.
à voir comment nous allons articuler cette récolte de mots. Voilà, c'est une première, donc la surprise va être totale. Voilà. À la fête des confitures, ils sont tous gelés. Ça fait chaud au cœur. Septembre à la chapelle, amis, cousins, cousines, bonheur, confiture de Mirabelle, des beaux moments, rigueur. Week-end à la chapelle, amis, cousins, cousines, au grand cœur. C'est sûr, la journée sera belle, confiture de fleurs. Oh. Oui. Eh bien, on se lèche les babines. Chameau.